Sur la glace, ils reviennent pour notre plus grand plaisir. Les champions du monde en titre, Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder. Registre romantique maintenant. Evanescence immortelle avec les voiles après le foulard, rappelez-vous. Anne Gève. Ah, ces portées, ils nous ont fait souvent plaisir. Ils ont quand même leur marque de fabrique, Isabelle et Olivier. Sur les portées, sur la... vous l'avez vu, on va peut-être les revoir au ralenti. Ils ont une figure propre à eux, qui est au ras de la glace, que tout le monde essaye de reproduire. Et ces portées en grand aigle, où Olivier est complètement ouvert en position de seconde, de danse classique. Beaucoup d'originalité. On se souvient d'un programme aussi qu'il nous avait présenté en spectacle avec des cordes sur... Oui. Vous vous souvenez de ce programme qui était magnifique, tout aussi magnifique que celui qu'ils viennent de nous présenter. Oui, ils aiment bien. Voilà. Et tout le monde est debout dans ce POPB. Ouais, super. Pour faire une ovation à ce couple champion du monde. C'est l'image du patinage français qui brille aujourd'hui avec eux. Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder qui nous ont régalé en danse. Il y a eu champion du monde Isabelle et Paul Duchesnay en 91, Marina Anissina, Gwendal Pezrat en 2000 et Olivier et Isabelle en 2008. Et on tente à penser que ce n'est pas le dernier titre pour la France concernant le patinage avec la danse sur glace et dans d'autres disciplines aussi. Ça va vite, hein, chez les hommes, Alain Giletti en 1960, Alain Calma en 65, Brian Joubert en 2007. Chez les femmes, Jacqueline Dubif en 1952 et en couple, André Joly, Pierre Brunet, 26, 28, 30 et 32. Voilà, on a fait le tour des 11 champions du monde français. Les derniers en titre,
ce sont eux. Et je crois qu'ils vont nous faire une petite surprise ici à Bercy, parce qu'on les connaît dans des registres plutôt classiques. Ils ont voulu étonner un peu ce soir le public de Bercy. Et après ces beaux ralentis de Jean-Louis, on va les retrouver dans un instant sur la glace, encore Isabelle et Olivier. Et on espère que ça n'est pas la dernière.